D'un côté, vous avez bah, Vital Kamerhe, Bozana, bah, Azarias Rouberoy, des personnes hein, porteuses en fait, des identités douteuses et qui sont là pour aujourd'hui céder Minembwe au profit ou à l'intérêt propre des Rwandais. Vous voyez que Moïni Amboka Oyo, ennemi juré Amboka Oyo, Azana Kombo, Naye, pe identité Naye, Kombo Naye, Joseph Kabila, O Babenga Ka, et pas ba Moussousou, Hippolyte Kanambe. Alors, ye na ba yini mususu oyo baza ba Bosha, ba Shadari, ba Nemi, baza Ebele, ba José Makila, ba tu oyo, ba Lingimbo Katepe, baza komenteni mbo kana misère. Soko moni mutaza ko s'opposer lelo na Tshisekedi, celui-là c'est l'ennemi du Congo. Par exemple, Martin Fayulu. Kabila ne peut pas m'enrichir parce qu'il n'a rien. Aya Kimboka on a ba bot, oyebi comment est-ce qu'il est venu dans ce pays. Alors lui-même, si dans sa conscience il n'est pas riche, même s'il a des milliards, donc c'est toujours, il restera toujours pauvre d'esprit. Vous voyez un peu Martin Fayulu qui aujourd'hui engage des marches judiciaires contre Félix Tshisekedi. Si on destitue Félix Tshisekedi pour qu'il devienne président, Tambwe Mwamba, n'est-ce pas? Tambwe Mwamba qui n'a jamais aimé ce pays, qui a incendié en fait, nos compatriotes à l'Est, qui a tué les gens dans ce pays, qui jusque-là insulte c'est toujours dans la coalition, hein? Il ne faut pas oublier. Non, qui juste là, quelle coalition mais, FCC cache. Ah non, il faut, as-tu vu la nuit et la lumière marcher ensemble? Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba masango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Rendez-vous à ne pas manquer, c'est dimanche 11 octobre 2020, émission Masolona Diaspora avec Grady Mouya. Peuple congolais, oyeza mwana mboka molobe na bino Grace Chunza. Coordonnateur ya dynamique impunité zéro et Bundela Kamboka. Nalini kana pesa bino rendez-vous na émission à Grady Mouya. Tokolobela bino émission ko zala en direct. Tokolobela ma question nyonso to mituna nyonso etali politique ya mboka. Alors toza ko senga bozala connecter mingi mukolango parce que mitune ko zala ya bino biyane ko zala ya biso. Makambo nyonso etali état de droit, bonne gouvernance, lutte contre l'impunité, lutte contre la corruption, politique ya mboka ba détournement, rendez-vous eza semoko na émission à Grady Mouya tokolobela yango. Eza Molobe Nabino, coordonnateur à Dynamique Impunité Zéro, l'homme qui a fait à genoux Joseph Kabila, l'homme qui a envoyé Joseph Kabila à la retraite précoce, c'est Grace Chunza. Alors, je vous invite à être ces jours-là nombreux au rendez-vous. Bien, vous allez bien, vous allez bien sur Info 243 avec votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit, le fils de la promesse. Toye lelo, tobe tamwa masolo, na ma matali politique ya République démocratique du Congo, bwebi ki tango nyonso sur actualité, et zala katozara toujours, on a pour informer, bino alors, vous allez bien, na quatre coins ya République démocratique du Congo, pourquoi pas, na Europe, Asie, Amérique, partout dans le monde, beaucoup l'andabiso na Info 243. Je dis déjà un grand merci à Raphaël Walukonka, maman Emilie Ndiemba, batonyonso, beaucoup l'andabiso. Les lots comme les carobets à moi les solos na moi n'amboka Grace Chunza Bouébi et bien Azali coordonnateur il y a impunité zéro tokobeta na moi ma solo et belé na ma matali politique qui a République démocratique du Congo Gims Black derrière la caméra fongole la bisou nous et quand on met carosolo na moi n'amboka Grace Chunza mbotenao mbotendeko toye les lots tokobeta moi ma solo na ma matali santé politique qui a République démocratique du Congo bete la bisou nono na moi mo laïti à moi maloba na émission la bisou boni santé à République démocratique du Congo na tango ngana tofandi tokosola bo bato loba ete politique ya mboka na bisou za malamu te pour le simple fait parce que eza na groupe ya ba individu oyo bazwa kimboka o en otage pendant 18 ans na tête na bang na tête na ngo bozana Kabila bwebe ke moyini ya mboka oyo ennemi juré ya mboka oyo azana kombo na ye pe identité na ye kombo na ye Joseph Kabila o babenga ka e pa ba mususu Hippolyte Kanambe. Alors ye na ba yini mususu oyo baza ba Bosha, ba Shadari, ba Nemi, baza Ebele, ba José Makila, ba tu oyo ba Lingimbo Katepe baza ko maintenir mboka na misère.
D'un côté, vous avez Vital Kamere, Bozana, Azaria Surubeiro, des personnes porteuses en fait, des identités douteuses et qui sont là pour aujourd'hui céder Minembwe au profit ou à l'intérêt propre des Rwandais. Alors, Nayango, c'est ce qui trouble la santé politique de notre pays. Alors, qu'à cela ne tienne, notre travail, notre devoir, la patrie, Babundela Kayango. Mboka Babundela Kayango, Toza Alibosote. Israël, Babundela, plusieurs fois, Baguerre, Basala, Babundela qui possession, Yamabele Nabango. Alors, Bisope Toko Bundela Mboka, Nabiso, le Lenge Moko Baper, y a indépendance, Balobaki, les Congolais restera uni et indivisible. Donc, Toko Bundela Mboka, Nabiso Piata, un centimètre à Mboka au Kende, n'a intérêt à ba Rwandete, y'a ba Ougandete, y'a ba Burundete, y'a ba Tanzanete et Kotikala pour le peuple congolais. Là, je rends hommage à Mobutu Aloba qui s'il faut conclure avec le diable. Mais nous, ce qui est sûr, moi je ne peux pas dire comme lui parce que je suis un chrétien, nous avions conclu de pacte avec le Dieu, le créateur du ciel et de la terre qui nous a donné cette patrie pourvu que Mboka Oyo, tous à la unie, puis tous à la séparée. Et donc, si nous regardons des côtés, du côté en fait, social, nos populations souffrent. Ba papa na biso, ba maman na biso, baza na fonction publique, baza ko sa la te. Pour le simple fait qu'il y a des groupes, il y a ces gens-là, ou ba mona ki baza li kolo, il y a batunyon soya mboka oyo, moutou moko, soko mona ki nazaki na dossier, mon repé moutoua ba kanga ki aza na parke, ya asosa, moutou moko ye moko, pour azande inspecteur na division provinciale et à transport voie de communication aza soki na 100 matricule au mbongo alété bimaka yazo ka mbongo na chaka on a poche na atonga ba immeuble et entre ta population eza ko souffrir ezana makambo moko mboka oye ebeba partout et c'est ça en fait le système oyo Kabila Kagame na Museveni bayaki ko kotse la biso c'est-à-dire objectif na bango za kinini ba infiltrer Congo, ba déstabiliser ba secteur club stratégique ya Mboka, pe ba komisa peuple congolais ba esclave na bango, ceux qui vont essayer de crier, de lever la voix contre eux, ba bengi bango ba corrompre bango et puis ba kangi minoko entre ta, ba za ko avancer na projet na bango, ya déstabilisation ya Mboka pe ya occupation ya Mboka na biso. Ah donc vous allez comprendre que cela se passe politique Yambo Kanabiso et le malheur du Congo se passe en complicité avec les Congolais. Oh bazo la Kabila totondiote Kabila mingi Kabila mingi Rice zonga la kitinao zonga na kitinao Kabila désir. Je me demande ce qui batouana bazana conscience nini parce que moi yo bomona mona ki angonde ko gradi to bandi bitumba o lelote na se depuis 2015 na bagaz wana bagaz lacrymogène to zote mel ko to empêcher loi minako loi nini loi boshab o esenga ki te comme ça Kabila roi ya mboka oyo et puis comment est-ce que nous avions mené le combat. Plusieurs propositions oyo ko leloko comme ça biso pe matériellement parce que moi je sais que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Kabila ne peut pas m'enrichir parce qu'il n'a rien. Ayaki Mboka on a babouti, oyebi comment est-ce qu'il est venu dans ces pays. Alors lui-même, si dans sa conscience il n'est pas riche, même s'il a des milliards, donc c'est toujours, il restera toujours pauvre d'esprit. Alors, vous comprenez comment est-ce qu'il est venu dans ces pays et puis comment est-ce qu'il est en train de faire et le jeu qu'il joue pour qu'aujourd'hui notre pays soit cédé au profit des Rwandais. Ndeko Mwanamboka gradi, ces peuples souffrent. Ces peuples souffrent parce que le lot au monde ban il faut pas zonga ba classe. Oui. Ba o pe bazui ba diplôme, il faut pas que ba université. Bo pe bazui ba si université, faut pas zo misala. Dis-moi, tozoko ke université pona lobby to koma autonome, to dépend de sous na ba parents soit to ke université pona to koma sous ko ba que sous ba para ba charge. Non, ça sert à rien. Et donc tout ça, c'est parce que Mbo Kanabiso t'osa infiltré. Et puis t'osa infiltré dans l'administration, dans la poste stratégique, l'Union Soeza dirigé dans le Rwandais, le Urundais, le Ougandais, le Tanzanien. Et donc, nous-mêmes, les Congolais, t'osa nassé à esclavage dans Mbo Kanabiso,
oyo toza koyeba yango te. D'un côté vous avez un fils d'Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, oyo tobundaki bitumbo yebi. Oza soutenir pe politique na ye. Non, je soutiens son action. Mm. Je dis na loba ngo na za hypocrite. Na za mambo ya cachité parce que na cache kuna bokuta Vital Kamerhe muyibi mbonga mboka. Bokuta nini oyo Kinkey Mulumba muyibi mususu mbonga mboka ya mboka yewana o Kabila hotel ya Kabila totondi yote bokuta ba tabanti valeur ebele je ne peux pas kokota na ba cache na bango wana. Tout comme nous appelons membres FCCT la Moukate parce que dans tout ça, je juge que ce sont des opportunistes, des aventuriers qui n'aiment pas ce pays. Mm. Moi, avec la dynamique impunité zéro, nous soutenons le président Félix Tshisekedi pour deux raisons. Un, il a la volonté de faire avancer les choses. Mm. Donc, nous partageons avec lui la philosophie de notre grand maître qui est Étienne Tshisekedi, état des droits. Okay. Le peuple d'abord. Deux, c'est parce que, un, encore une fois, Aza, Mwana Yamboka, un citoyen congolais, Oyo, Touyebi, naissance naye, Penandenga Koleli, comment est-ce qu'il est avancé, de quelle famille il est. Alors, c'est trop dur. Moi, je l'ai dit ici, je mets toute la population à défi, sauf l'inconscience et soit l'envoûtement. Je ne vois moi, tu sais que de trahir le Congo et le peuple congolais. Je ne vois moi Tshisekedi trahir le Congo et le peuple congolais dans le Bakango chaque jour que je passe sur les médias. Le jour où il va se détourner de la vision de l'état des droits du peuple d'abord, ce serait ce jour-là que je le ferai comme Kabila. Okay. Et vous le savez, quand moi peut-être je commence à m'opposer d'une personne, na sala ngo kaka na balabala te, na sala ngo na par des voies diplomatiques, des voies plaidoyer partout dans la dimension yo sunaibi ou déstabiliser le pouvoir sans tenir les armes. De quoi grâce pour dire que tu sais qu'il dit à quoi trahir te. Parce qu'Ayebi, nous sommes là, nous soutenons tu sais qu'il dit. Hein? C'est de façon désintéressée. Hein? Toutes les conférences de presse que j'organise là, c'est avec mes propres moyens. Hein? Parce que nous voyons en lui la volonté, et cette volonté-là, qui doit faire à tout le monde. Ce qu'on dit, Moutaza, qu'on s'oppose le long à tu sais qu'il dit, celui-là, c'est l'ennemi du Congo. Par exemple, Martin Fayulu. Ce que moni le lo mutu azako telemela parce que aujourd'hui ennemi du Congo mais soldat du peuple. Hein? Les soldats du peuple. Le soldat du peuple est plus que qui? Martin Fayulu est plus le soldat du peuple que Franck Diongo, que Eugène Domindongala, que moi Grace Chunza. Non, on se connaît bien dans ces combats que nous menions. Le problème c'est que j'ai des contacts avec Martin Fayulu aussi. J'ai été avec lui, vous le savez. Tout comme avec Félix Tshisekedi. On ne peut pas soutenir. Après l'élection, on continue toujours à soutenir. Comme candidat à gagner l'élection. J'ai soutenu Martin Fayulu. J'ai bâti campagne pour le président Eli. J'ai soutenu Martin Fayulu. J'avais des raisons. Parce que, l'accord de Genève, nous voulions tous l'unité. Ok. Et on ne rêvait pas à l'organisation des élections parce qu'on ne peut jamais, on ne pouvait s'attendre à des élections crédibles avec Kabila. De deux, Kabila n'est pas un interlocuteur crédible, vous le savez. Et puis, moi, j'ai toujours contre Kamerhe. Comment voulez-vous que je soutienne Tshisekedi pendant ce moment dans le contexte où il s'était allié à Kamerhe? Même Étienne Tshisekedi de son vivant n'a jamais accepté Kamerhe. Vous comprenez un peu? C'est la politique parfois, vous savez, où nous disons un leader est toujours incompris. C'est juste là que je n'ai jamais compris Tshisekedi d'avoir ôté de s'allier avec Kamerhe. Parce que Étienne Tshisekedi de son vivant, notre grand maître, ne peut jamais accepter Kamerhe autour d'une même table. Et j'avais des raisons et j'ai dit publiquement. J'ai publié, j'étais encore prisonnier de Kabila à l'époque, dans ma cellule de la prison, que Martin Fayulu, le général, est choisi pour la guerre. Parce que moi, je m'entendais à ce qu'il y ait une révolution et que Kabila les chasse avec tous les Rwandais qui sont dans le pays. Dieu merci, tu sais que tu voyais où nous ne pourrions voir en ce moment-là, à Kay, et aujourd'hui, il est président de la République. Mais l'essentiel d'abord. Parce qu'à chaque enjeu, il faut changer la stratégie. C'est là où Martin Fayulu est limité. Okay. J'ai publié, Félix Tshisekedi, un article qui a été publié en Allemagne à l'époque où nous étions là.
de ma sortie de la prison, Martin Félix, c'est que le président a raison de surveiller. Okay. Cet article-là, à mon retour, je serai reçu par quelques dignitaires du pays, dont je dois cacher encore le nom, qui m'ont orienté, m'ont fait voir des choses. Parmi ceux-là, il y a Franck Diongo. Mm. Là, à l'époque, il était aussi prisonnier parce que nous étions sortis. Lui, il était resté. Je suis allé, il m'a fait voir la part des choses que pendant ces moments ici, l'essentiel est c'est le président, le fils de Tshisekedi qui est président de la République. Et nous soutenions toujours président Félix Etienne Tshisekedi. Alors, c'est le temps maintenant d'accompagner le fils d'Etienne Tshisekedi. Mm. Et si aujourd'hui on s'oppose à lui, on va encore le fragiliser davantage parce que sur le plan institutionnel, il n'a pas déjà qu'il n'a pas la majorité au Parlement, il n'a pas de gouverneur. Et s'opposer à lui aujourd'hui, c'est accréditer davantage la thèse de l'occupant, donc Kabila, avec tous les Rwandais qui veulent réellement à tout prix déstabiliser ou occuper en fait le pays. Vous avez vous voyez maintenant des raisons qui m'ont poussé en ce moment, j'ai abandonné Martin Fayoulou pour aller. Je n'ai pas abandonné Martin Fayoulou. Il faudra aussi retenir que Martin Fayoulou, dans sa stratégie, il est entré dans une voie tribale. Okay. Parce que lui, il y pense que tous les Loubas qui soutiennent Tshisekedi comme président de la République sont ennemis des gens du Bandundu. Et de deux, il mène un combat de haine. Par conséquent, il ne peut jamais mériter mon soutien. Moi, je suis quelqu'un de valeur. Je mène mon combat de façon désintéressée. Je ne cherche pas un avantage. Parce que de nombreux peuvent le dire. On sait qu'on suit parce qu'on a... Oui, je mériterai. Si aujourd'hui Tshisekedi me nomme quelque part, vous, les journalistes, vous allez le dire, qu'il a mérité. Et ce n'est pas ce que moi je demande à Tshisekedi. Moi je demande à Tshisekedi d'améliorer la vie des fonctionnaires, la vie de nos citoyens, l'enseignement, etc. Donc de faire développer le pays et de conduire, de faire diriger le pays sur le respect de loi. C'est ce que je lui demande. Et par conséquent, on s'entend et on s'accompagne. Et aujourd'hui, supposons, vous voyez un peu Martin Fayoulou qui, aujourd'hui, engage des marches judiciaires contre Félix Tshisekedi. Si on destitue Félix Tshisekedi pour qu'il devienne président, Tambwe Mwamba, n'est-ce pas? Tambwe Mwamba, qui n'a jamais aimé ce pays, qui a incendié, en fait, nos compatriotes à l'Est, qui a tué les gens dans ces pays, qui jusque-là a insulté... C'est toujours dans la coalition, hein? Faut pas oublier. Non, qui juste là... Quelle coalition, mais FCC cache. Ah non, il faut... As-tu vu la nuit et la lumière marcher ensemble? Non. Si tu regardes Félix Tshisekedi, son aptitude, non pas ce qu'il dit, il n'est pas membre de cette coalition. Mais grâce à Tchouza. Le problème, c'est que vous êtes des journalistes, mais vous ne savez pas scripter, en fait, les intentions politiques. Okay. Le président Félix Tshisekedi lui-même ne coalise pas avec le FCC. Il n'est pas membre de cette coalition. Mais grâce à Tchouza, Toloba, non, nous malam, tout éclaircir, va congolais, nous sommes à Koulanda Bissot, tout petit Koulanda discours, tout petit émission, il y a président de la République. Grâce à Tchouza, Tika, si sa question d'Angaï, tout lundi président de la République, Ndeko Grasse, tout lundi président de la République, a Kobeta Seta Lobiye, a Kobate Landeko Kabila, pe a Kobate la coalition, après te Ezalana Nouté Namboka Nabiso, yé a Kozalamoto Alibosso, o Tango Yako le Kabato Bakobeta Kalisolo, Namboka la biso tutambula kana coalition kino suka ya pouvoir ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi yo kuluba ki ndeko Félix Tshisekedi na kati ya coalition na ki le président Félix Tshisekedi aza na puissance soit abattre la rabat. C'est Dieu qui protège, non? Alors dis-moi, lui il va se transformer à la fois à une police, hein, et à une garde républicaine ou à une FARDC pour aller sécuriser Kabila. Hein, c'est ce que vous voulez dire, c'est ce que le président Félix a dit ce sont les lois qui protègent les individus. Vous comprenez? Et zalaka mibe konde muti batelaka ba citoyen nyonso. Ce que tu tangi, hein, article 1er à déclaration universelle des droits de l'homme.
article 12 de la Constitution dit tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droit. Tout le préjudice que Kabila a causé à de multiples familles dans ces pays, et donc, yo kanisike ekotike ko lekaka bongo. Tshisekedi, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi que vous voyez, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. Hein? C'est un lion que vous n'allez jamais comprendre. Il a des paroles douces ou des expressions en fait qui passionnent les autres et surtout davantage les ennemis. Mais ce n'est pas ce qu'il pense réellement. Je ne vois moi Tshisekedi protéger Kabila parce qu'il déjà qu'il n'est pas une police judiciaire ou une police de sécurité de Kabila. Et Azali chef suprême d'armée. Non, il est magistrat suprême, il est le commandant suprême, c'est lui le président et garant de la nation, mais il faut limiter son pouvoir. Kabila a commis des infractions, Kabila a pillé ses pays, Kabila a fait entrer les étrangers dans notre pays, Kabila sera protégé par la justice. C'est le moyen qui doit protéger Kabila, c'est la justice. C'est la justice. Ce n'est pas Tshisekedi. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez quoi? L'état des droits, tous nous sommes soumis à la loi, même le président de la République. Le président Félix Tshisekedi, depuis qu'il est président, il a tué qui? Il n'a rien. Yo ki mutumoko akufi, soit na S, soit babatin, comment il y a président Félix Tshisekedi? Oyo ki yango? Il a tué qui? Et pourquoi Kabila a tué? Vous croyez que tous ceux qui sont morts, Barma Tungulu, les experts des Nations Unies, Barositi Mangamukendi, les fausses commis des Maloukou, les massacres organisés exécutés au Kassai, les massacres organisés exécutés à Beni, tout ça là, passera comme ça inaperçu? Certaines choses, je l'ai toujours dit, certaines choses viennent avec le temps, les unes avec les circonstances. Et parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances, il y aura des circonstances favorables pour Kabila, pour qu'il soit protégé par la justice. Ndeko grâce Tuza, yo sera protégé par la justice. Je crois que tu as compris l'expression. Na soso lio malamu. Yo ozali moto ko soutenir combat topé politique ya mona mboka Félix Antoine Tshisekedi. Lelo total la le lengue sécurité ya est ezopesa mwa bilinga bilinga. Nzoka ndé président de la République alaka kibiso ete soki sengela pesa ta bon moinaye pour na likambo etali sécurité ya est akopé sa bon moinaye. Mais lelo oyo to ko mona te loko moko te ko sala kote ba katakata bazako bima kote makambo kilikili wana nyoso wana analyse ninyo yonde ko grâce au kosa liko na yo. Le problème c'est que ngana mitunaka il faut ba journaliste bozwa katan autant à constitution nambo kanabiso l'exécutif est bicéphale. Le président de la République c'est lui qui porte la politique nationale et qui exécute cette politique c'est le gouvernement avec un premier ministre à la tête. Et le premier ministre est ici de la majorité au Parlement. Vous voulez faire transformer le président de la République au ministre des Travaux publics pour que nous soyons en train de se faire en Est. Il y a comme ministre de l'économie pour nous financer. Il y a comme ministre de budget pour nous préparer le budget. Non, nous sommes dans une république où l'exécutif est bicéphale. Le président de la République a parlé. Et la parole du président doit produire les effets. Et ces effets-là sont bloqués par les sorciers que vous connaissez, les Mabounde au Parlement, avec Jeannie Mabounde au Parlement, avec leur ministre, Sylvestre Ilunga, etc. Le président Félix Tshisekedi a cette volonté. Le fils d'Étienne Tshisekedi a cette volonté de mieux faire pour ces pays. Mais d'un côté, il a les ennemis qui ne veulent pas l'aider, qui ne veulent pas lui faciliter la tâche, Neko. Pourquoi vous êtes... Non, pourquoi vous êtes conscient que le président de la République a zappé bloqué quelque part? Le président de la République est bloqué par les gens qui sont mal intentionnés. Parce que c'est que le président ne peut pas faire tout à la fois.
Le président a un programme, a une vision qu'il donne au gouvernement et c'est le gouvernement d'exécuter. Et ce gouvernement-là pense qu'une majorité numérique nommée, là c'est cette majorité-là qui doit commencer à faire le chantage au président de la République, même bloquer ses actions. Et nous faisons des pressions au président de la République de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Le président peut-être est en train de voir ce que nous ne voyons pas. Parce que nous demandons peut-être qu'il puisse dissoudre l'Assemblée nationale, mais il y a des juges constitutionnels qui sont nommés. Il y a des juges constitutionnels qui sont nommés. J'ai dit ici, retiens aujourd'hui, dans cette émission, retiens que certaines choses viennent avec le temps, les unes avec les circonstances. Il y aura une circonstance qui va se faire que cette Assemblée-là soit dissoute. Avant 2023. Avant 2023. Il y aura aussi une circonstance qui va se faire que tout le pieux qui sont aujourd'hui les Kimbuta, les Boshab, les Minaku, etc., qui sont aujourd'hui au Parlement avec les immunités, soient arrêtés. Il y aura ces circonstances-là. Il y aura aussi d'autres circonstances qui se feront que les peuples chassent tout le monde qui ne veulent pas travailler pour ces pays. C'est un rêve ou comment? Je ne rêve pas. Moi, je lutte pour les pays. Ça fait aujourd'hui 10 ans. J'ai consacré toute ma jeunesse pour le combat du peuple, le combat au profit de la nation. Et donc, je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Et quand je parle comme ça, ces gens-là me respectent parce qu'ils savent qu'ils ont tenté de tous les moyens. Ils ne peuvent pas m'avoir, ni moi, ni mon âme, ni mon corps, ni quoi que ce soit. Parce que je sais où je suis et ce que je fais. Alors, je ne rêve pas. Je vous dis ceci. Retenez-les. Retenez-les. Hein? Retenez-les. Que certaines choses viennent avec les temps, les unes avec les circonstances. Et ces pays va bientôt changer. Parce qu'il y a des ennemis qui sont déjà connus, qui seront matraqués par la justice. Ndeko, grâce à toi, qui est dans moi, Souka, mais toi, tu as un tribalisme, tu as un cannabis, tu as un dollar, dollar coûte tikalisima mais yango e matipe makasi banani baye nango liboso awa kabila kasiti kabila nda amemi tribalisme makasi ba mina se mezala kinani okotana ok na entreprise mina se mozo ya tango kabila za kineti ya lelote ya elo e yesu suko matamo makasi kabila yoka na tango kabila tribalisme za ki makasi na tango kabila tribalisme za ki makasi mais boka koye bango te pourquoi parce que Natangwana, il y avait des citoyens qui pensaient réellement qu'à chaque fois qu'il faut parler, etc. Mais aujourd'hui, tu sais qu'est venu avec l'état des droits, la liberté d'expression, qui fait respecter maintenant les dispositions de l'article 23 de la Constitution. Hein? Alors, il laisse tout le monde de critiquer. Maintenant, parce que le problème, c'est quoi? Les balouba, tellement que nous sommes organisés, hein? C'est ce qui fait peur aux gens. Au moment que yo posa muluba, au kokite ko u mais la pemene ya fayulu, au kimimba ngu kote ya yandekono muluba. Fayulu. Kasi yango na lobita ngu monike zo simbate, yo po kotika le tribalisme yango. Non pas parce que je suis muluba mais parce qu'il est quelqu'un des anti-valeurs. Fayulu est quelqu'un des anti-valeurs. Alors moi je partage le bitek avec ceux qui respectent les valeurs. Tu comprends un peu? Alors je ne peux pas continuer à partager le butin avec ceux qui vendent la République. Tu comprends? Il y a des gens qui ont été en train de se faire 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 en train de se avec un leader politique, il y aura toujours les noms dits. Tu comprends un peu? Nous étions avec Fayoul. Fayoul ne m'a pas considéré comme son collaborateur. C'est Dongo qui me considère comme son collaborateur jusqu'à présent. C'est Mbata qui me considère comme leur collaborateur. Son collaborateur. Tu comprends un peu? Fayoulou voulait profiter au moins de mon courage pour se faire président de la République. Mais en réalité, en lui, c'est un hypocrite. Je ne parle pas des individus dans mes émissions, mais tu me pousses à parler des individus. Fayoulou derrière Mouzito. Mouzito, c'est un modèle. Dis-moi, Mouzito, c'est un modèle. C'est-à-dire quoi? Même Jean-Pierre Bemba
Ayeba kike Fayulu aza mutu ya banti valeur m'a soutenu mais aujourd'hui il soutient Tshisekedi. Moïse Katumba ayeba kike Fayulu aza mutu ya banti valeur mais sikoyo le problème c'est quoi? Je dis à chaque enjeu politique, il faut savoir évoluer parce qu'on dit la politique est dynamique. Le dynamisme politique ici on n'évolue pas du mauvais côté mais nous devons avancer du bon côté. Vous voulez que nous puissions continuer avec les gens qui veulent déstabiliser Tshisekedi qui aujourd'hui, pour que Kabila récupère le pouvoir et que nous revenions, notre peuple... Écoute, ce peuple n'a plus droit à l'erreur, n'a plus droit à la souffrance. Parce que nous, comme il y a un peuple, aujourd'hui, quand on a récupéré le pouvoir, ils ont dit qu'il y a Kabila. Donc, nous avons la possibilité d'être en exil. Dans les États-Unis, dans le Canada, dans la Suisse, dans la France, dans la Belgique, n'importe Suède, n'importe quel pays du monde que moi-même j'ai pu ôter pour aller vivre en paix. Et dis-moi, tous ces citoyens lambda qui aujourd'hui ont besoin de vivre au Congo, bah, sous Kawapi, ceux qui Kabila a eu pouvoir. Hein? Ceux qui Kabila a eu pouvoir. Le tribalisme a un nom qui s'appelle Kabila et Fayulu. Pas Tshisekedi. Pas Tshisekedi. Pas Tshisekedi. Et ça, juste une façon où le bazar qu'on l'inga qu'on fait, bah il n'y ça. Moi, n'ambo qu'a fait lui Tshisekedi. Et pas bah na ba tribu msusu. Et ça, façon qu'on y a qu'on y n'y ça est. Pas Tshisekedi. Le tribalisme a un nom qui s'appelle Joseph Kabila, Martin Fayulu. Oza moto yo na kobe telango seto ko soutenir politique ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi soki lelo oza na ba stratégie o ko ikopesa na epo na ko combattre tribalisme ko oza netini non ko combattre tribalisme ngana olobanine a copier point positif ya Mobutu gouverneur ya Katanga auta soit Équateur a kenene to mona ki na tango ya Mobutu gouverneur ya Goma ya nini ya Est auta soit mbujima ya Kende ce serait de cette façon là soit ba député provinciaux ya ba province na place au so qui ya ba province msusu ba Kenda ba profi ba poste là na ba province za bango ya origine té et là de cette façon là on va peut-être gagner cette ampleur parce que tribalisme ça au bazar qu'au brandir yango ezar beaucoup brand banay ba bazar qu'au alimenter nini opinion sur le tribalisme ezar ba Roberto ezar ba touch power on le ba mis association na bango wana ya ba touch power monaki wana juste ezar nini bazana besoin ba occuper mboka na biso ba kabola mboka oyo en na ba morceau ba kata yango pona et comment soit va créer ba zone où ils va barber ba zone neutre y a moi il faut pas brandir argument tribalisme et ba il croit piéger président Félix Tshisekedi poto lo baiki sous les fils de Tien Tshisekedi mboke zala qui divisé hein les loso qui Congo kabwana va faire porter yango na mutu de celui qui a sacrifié ses pays et surtout qu'aujourd'hui son fils est président Tien Tshisekedi de reste mémoire. Hein? Donc, il y a un roi, il y a un journaliste, il y a un politicien pour alimenter le concept, il y a tribalisme. Non, c'est ça. C'est une stratégie politique. C'est la guerre où il y a tribalisme, comme il est là. Le président Félix Tshisekedi qui vient aujourd'hui, voilà un peu, c'est un leader toujours incompris, je l'ai dit. Et même moi également, dans ma génération, je suis très incompris. Qui dit que les Banyamouring sont des Congolais pour confondre tout le monde. Bon, si, parce qu'ils revendiquent la nationalité congolaise, c'est pourquoi ils sont, c'est même à la base de nous allons accorder aussi la nationalité congolaise à tout autour Rwandais ici, mais qui vont travailler pour le Congo. Okay. Obama, hein, Aza, nationalité ni Kenya, n'est-ce pas? Il est devenu président aux États-Unis. Il a travaillé pour le Kenya. Ok, c'est possible. La politique, il faut savoir avancer, anticiper des choses. Nous allons confondre et les Rwandais et les Occidentaux. Nous allons accorder la nationalité. Retiens, je te demande de couper ce que je dis ici. Nous allons, nous, accorder la nationalité congolaise aux Tutsi Rwandais et qui, en modifiant notre constitution, nous allons verrouiller. Nous allons verrouiller et la nationalité que nous allons leur donner avec des conditions qui ne fassent même pas un pas vers le Rwanda.
Ndeko grâce, merci beaucoup, Tokomi. On va voir qu'ils vont travailler pour le Congo et leurs actions vont profiter au Congo. Et on va voir l'action, le projet de Barkhane. Bobo Milangaï, image Oyo, Toko Zongawa, Toko Beti Lango Souli Solona, Ndeko grâce. Ndeko grâce, Tokomo qui est vraiment na souka. Nalingi, otala vraiment caméra na biso. Pour lancer un message moko de tout ton cœur. Tout bandana on a président. Il y a ICD, on a précisé bien, Martin Fayulu ou Akolando Nangonga Oyo. Et deuxièmement, on a lancé un message moko na président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Bon. Martin Fayulu m'a dit. Président. Non, il est mon collaborateur dans la lutte. Nous avions été ensemble. Il n'est pas le président. Quand tu l'appelles président. Président, il y a ICD. Ok, président de l'ICD au moins. Là, c'est normal. Je dirais ceci. Les bons hommes sont ceux qui commettent les erreurs et sont exquises. Mais les grands hommes sont ceux qui apprennent de leurs erreurs et s'emploie à le corriger. Il n'est pas tard pour que vous puissiez corriger vos erreurs. La République ici a vraiment besoin de vous, cher Martin Fayulu. Personne n'ignore votre courage, votre engagement, surtout pour ce pays. Mais la voie que vous avez optée depuis un certain temps, cela ne vous profite pas. Ni vous, ni vos membres de famille, ni ce peuple que vous prétendez bien défendre. Au président Félix Tshisekedi, je vous encourage, mais je vous demande de revoir votre entourage. Votre entourage est trop dans l'opportunisme, dans les jouissances, alors qu'il y a plusieurs questions que vous devez régler, et les propositions doivent venir de votre entourage. Vos conseillers, qu'est-ce qu'ils en font? On ne sent pas sur le terrain les réflexions des membres de vos cabinets, de votre cabinet, voulais-je. Alors, les conseils que je vous demande ici, je vous prodigue ici, voulais-je, est de réviser le plus tôt possible votre entourage. Alors, continuez dans la voie que vous avez optée pour redonner et redorer, pour redorer, voulais-je dire, l'image de la République démocratique du Congo. Depuis très longtemps, ce pays avait perdu de valeur. Et de votre accession au pouvoir, nous voyons au moins cette volonté de redonner encore une fois de plus la bonne valeur au peuple congolais. Oui, Lumumba a dit, le Congo restera un et indivisible. Et il a donné toute sa vie pour ça. Etienne Tshisekedi s'est bâti avec tout son courage pour que nous ayons un état de droit. Franck Fanon a dit, chaque génération dans une relative opacité est censée découvrir sa mission, soit la trahir, soit l'accomplir. Vous êtes président parce que vous avez découvert effectivement votre mission. Vous êtes face à l'histoire. À vous de jouer. Je l'ai toujours dit, le risque existe partout. Savoir prendre le risque est une certitude au cœur même des incertitudes. Le peuple congolais est dans l'incertitude éternelle. Cher président, essayez de prendre le risque et vous savez de quoi s'agit-il. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ezaki bongo na motema mobimba nde ndeko grâce tuza amekai ko lancer message oyo na président de la République Félix Antoine Tshisekedi pe na ndeko Martin Fayulu. Nga na bino tokutani na prochain numéro. Merci na bandeko nyonso oyo balandi édition na biso ya mokolo ya lelo. Merci na ndeko Raphaël Walonkoka. Merci na Gims Black Azoli biso prise de vie et merci na bino nyonso bozo continuer ko s'abonner na Info 243 et na baino ba s'abonner te na zo benga bino bo s'abonner belé parce que à chaque fois actualité zali na République démocratique du Congo tokozala toujours pour la conformer Bino. Alors, Ngala Bino, t'écoutez dans le prochain numéro. Au revoir. Bye. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo.
pona koyeba basango ya Congo pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka merci.